Ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment la pointe du diamant. C'est-à-dire que, en vérité, même les opposants à ces questions, notamment sur les divorces et mariés, savent très bien qu'il y a de vrais problèmes dans les familles concernées. Ils savent très bien que tel couple sont finalement une association de deux situations de victimes. Ils ont été eux-mêmes victimes d'un divorce, ils n'ont pas voulu cela, ils se retrouvent là. Donc, quand je dis la pointe du diamant, c'est que ce soit les opposants ou que ce soit ceux qui veulent la réforme, ils se retrouvent tous en conscience, ils savent très bien que la vérité, que le problème est vraiment posé, qu'il y a des situations vraiment difficiles et que c'est à ces situations-là qu'il faut répondre. On est en train de vivre cette espèce de conversion, hein. C'est une sorte de conversion, d'ailleurs le pape emploie ce mot, le pape François. Conversion, révolution de la tendresse, sans pour autant, et c'est là où je parle de pointe de diamant, c'est sans pour autant transiger, être trop souple sur la question des principes. À la limite, être très net sur la question des principes et souple dans la façon de les vivre. C'est ça que cet équilibre difficile, voilà ce que je retiens de ce synode. C'est cette tension, c'est pour ça que ça a été passionnant et difficile pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui l'ont suivi, parce qu'on sait bien que on est en train de chercher la quadrature du cercle. L'alliance, elle est ronde, l'alliance, mais là, le problème, il est posé de façon carrée, et on ne sait pas comment trouver les deux, et on sait pourtant qu'il faudra bien trouver la possibilité de la nouer, cette alliance.